Ça a l'air des cartons, les gars. C'est une blague. Bah, j'aimerais bien tout ranger. Je vous en montre pas trop parce que bon, je vous ferai un petit appartement tour ou quoi. Vous voyez les conséquences de mon stress et de mon anxiété, et ben c'est que je me bouffe toutes les peaux et je me retrouve à devoir acheter des pansements tous les 4 matins parce que bah j'ai besoin de mettre des pansements sinon ça me nique. J'avais dit je vous ferai un haul Ikea de ce que j'avais acheté. Bon là il n'y a qu'une partie puisque l'autre partie est restée chez mes parents. C'est vraiment pas des choses oufissimes, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas grand chose, hein. Ça va aller très vite les gars. Une petite raclette pour la douche, voilà, parce que grosse erreur, quand j'étais dans mon appartement à Bourges, pour ceux qui me suivaient, je ne passais pas du tout la raclette, donc j'avais des parois. Et en fait ça m'était anti-calcaire, donc moi je pensais que ça allait partir tout seul. Et en fait le truc c'est qu'à la fin des 2 ans, je vous dis même pas l'épaisseur de calcaire qu'il y avait sur mes parois. Et en fait j'ai pris des tampons comme ça là pour mettre en dessous des chaises, des tables, etc. On a pris ça là pour mettre à côté de l'évier. Puisqu'en fait le truc pour mettre ma vaisselle est très petit, il n'y a pas de truc pour mettre les couverts, etc. Puis même pour mettre les éponges et tout, je trouvais ça pratique. J'ai pris deux cintres à pince comme ça. Alors eux ils les font à l'unité, moi je prends tout le temps leurs cintres noirs qu'ils ont. Donc j'en ai pris que deux parce que c'est pas les cintres que j'utilise le plus, mais bah, j'en ai besoin des fois pour mettre des jupes, des pantalons et tout, c'est toujours utile. Donc voilà, j'en ai pris deux. J'ai pris ça pour la douche. C'est un truc pour pendre à la structure de la douche. Ils font plein d'autres systèmes, mais du coup ça dépend de la colonne de douche que vous avez. Il y a des choses en ventouse, mais moi ventouse, j'ai peur que ça soit pas assez résistant. Alors ça, c'est des petits photophores pour mettre des petites bougies. J'ai pas de bougie. Ils font un nouveau système Ikea, c'est que avec l'application, à chaque fois vous mettez un truc dans votre panier, vous scannez, donc un peu comme au supermarché, et vous scannez en fait à la fin, bah, au moment de payer, vous, en fait tout est, vous n'avez pas à ressortir et à remettre, donc c'est vachement pratique. Nous on a fait ça. Après voilà, faut pas oublier de mettre des trucs, faut être assez assidu, etc. Mais c'est bien parce que tu peux voir en temps réel où t'en es dans ton panier. Et du coup pour cette initiative, et ben après à la fin ils te donnaient un cadeau, t'allais à l'accueil, ils te donnaient un cadeau. Donc là du coup j'ai eu 2 petits photophores, ils sont trop beaux pour mettre sur ma terrasse. J'ai appris des petites serviettes comme ça blanches quand il y a des invités. Tout machin, c'est pratique. J'ai pris 2 boîtes blanches comme ça. J'en avais déjà acheté pour mon premier appartement. Ils ont plein de systèmes de rangement. Moi j'avais envie de tout prendre, mais bon. Et ensuite j'ai pris des tupperwares comme ça. Comme ça. Et j'en ai pris 3 en rectangle. Eux c'était un lot. Et j'ai acheté du coup cette panière à linge. Et j'ai pris 2 autres plantes à Ikea. Donc pareil que mes parents vont emmener la semaine prochaine. Parce que là j'étais trop. Ça allait être trop galère. Ah oui d'accord, donc en fait c'est que tu peux le mettre de deux façons. Ah bon, c'est hyper pratique. Voilà, je l'ai mis ici. Vous voyez, bon ça fait assez bas en fait. J'aurais préféré le mettre un peu plus haut. Bah écoutez, j'ai pas arrêté depuis que je vous ai laissé. Il est bientôt 21h et j'ai terminé de ranger à 20h. Et ensuite là j'étais prendre une douche et j'ai commandé en même temps à manger. Donc là j'ai rangé toutes mes affaires, tout est vide. Il manque plus que mon imprimante qu'il faut que j'installe. Tellement arrivé de galère depuis ce matin les gars. J'ai voulu faire mes courses en drive, je les ai faites. Et en fait bah, je peux pas récupérer mes courses aujourd'hui, donc c'est demain matin. Donc là du coup je vais aller à Thierrier, j'en ai un à 10 minutes en voiture de chez moi. Pour ceux qui vont me demander, mon bandeau je sais plus du tout d'où il vient.
Bon, j'ai été faire mes petites courses à la Tirier. Je vais vous faire un petit retour de course. Alors, pour vous montrer, j'ai pas pris grand chose. J'ai pris des petits pains comme ça. Puisque moi, j'ai plus du tout l'habitude de. Bon, j'ai pas épilogué 5000 ans sur des aliments. J'ai pris des pommes de terre comme ça à la saladaise. Je sais que c'est meilleur d'acheter ces pommes de terre et de les couper et de faire ça, quoi. Mais bon, je vous avouerai que. La flemme. J'ai pris des mini pains au chocolat. Ça peut toujours servir. Des steaks hachés bio. Mais c'est vrai que du coup tu peux, t'as plus de temps pour les consommer. Ça c'est trop bon, c'est des crêpes, des mini crêpes. Il y en a 10 et c'est pas cher du tout, je crois que les 10 tu les payes 2 €. J'ai acheté du poisson comme ça, alors je sais pas du tout ce que ça vaut, peut-être que c'est de la grosse merde. Mais bon, 2 tortellini comme ça. Alors c'est pas des raviolis, mais un petit peu. À la tomate, à la mozza, c'est hyper bon. J'en ai pris 2 parce que je pense que je vais en manger ce soir. Bah on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai pas fait grand chose donc voilà, je vous ai pas filmé. Hier j'ai fait du montage toute la journée et je me suis occupée de trucs vraiment pas très intéressants, c'est-à-dire mes abonnements. Mais du coup j'ai fait quelques impacts. Primark, je suis allée faire un petit tour mais pff, il y a trop de monde les gars. De ce côté-là j'ai juste pris un débardeur noir à fines bretelles parce que ça sert toujours que ça soit en été. Ou même du coup en hiver pour mettre en dessous des trucs. Donc j'ai pris un petit débardeur noir comme ça en S et je l'ai payé 1,80 €. Du coup j'ai été voir au côté maison. Il y avait vraiment des trucs pas mal en termes de rangement. Moi j'ai juste pris ça du coup finalement. C'est des pailles en inox. Donc il y en a 4 avec le goupillon. Et je les ai payées 4 €. Et ensuite j'ai acheté des petites pinces comme ça avec des crocs assez durs pour que ça puisse vraiment tenir le cheveu. Et ensuite j'ai été à Emma parce qu'il était pas très loin. J'ai juste acheté une box comme ça pour manger. Et voilà, ça m'avait l'air vraiment pas mal. Et je me dis, il faut vraiment que j'en ai des de n'importe quelle contenance. Vraiment que, voilà, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Bon, du coup, je suis partie faire 2-3 courses à côté, en bas de chez moi, là. C'est vraiment l'endroit parfait. Vraiment dans cet appart c'est vraiment mon cocon. Je me tâte à acheter un projecteur vu que j'ai plus de télé. Enfin vu que j'ai pas de télé. À la limite je préfère avoir un projecteur, enfin d'investir dans un projecteur plutôt que dans une télé. Je vais regarder Koh-Lanta. Ça fait un bail que j'ai pas regardé. Pour ce midi, nous allons prendre 2 pains de mie pour que je le finisse. Et on va prendre du boursin, donc là j'en ai pris qu'un, mais à tout moment j'en aurai peut-être besoin d'un deuxième. De la truite fumée. Bon, j'ai bien reçu mon colis, donc je suis vraiment trop contente. Il y a tout, j'ai vérifié. Et j'espère que tout va m'aller. Pas mal de choses à faire ce matin. Enfin, ce matin, il est presque midi. Donc là, on est vendredi. Mes parents arrivent cet après-midi avec pas mal de choses. Ça va être encore beaucoup de rangement, vous allez voir. Objectif, me préparer vite fait, faire un peu de ménage. Parce qu'après, mon proprio arrive pour pouvoir du coup me poser une tringle. Ici pour pouvoir mettre des rideaux et éviter le vis-à-vis qui est en face. Donc là du coup je vais manger la salade. J'espère qu'il y a de la sauce parce que j'ai pas de sauce chez moi. Et les salades sans sauce, c'est ma phobie, vraiment je peux pas. Oui, il y a de la sauce au fond. C'est bon mais il n'y a pas assez de sauce. Il y a trop de salade, moi j'aime pas trop de salade. Bon, c'est la Emma du montage. Comme vous en doutez, je filme un peu tous les jours, donc j'ai oublié de faire des débuts et des fins. Mais je voulais quand même mettre un point à ce vlog-là. Ce n'est pas un point final puisqu'il y a d'autres vlogs qui arrivent. J'avais d'autres plans à inclure, mais ça allait faire une vidéo un peu trop longue. Donc j'ai préféré les conserver pour le vlog de la semaine prochaine. J'espère vraiment que cette série vous plaît. Merci en tout cas pour tous vos abonnements. Et puis je vous fais des très gros bisous et à la semaine prochaine. Si tu es arrivé jusqu'ici et t'as hâte de découvrir la suite, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Il y a des pantalons à l'intérieur, c'est n'importe quoi.